Identifier les technologies de conception d'un site web. C'est possible ça? Vous avez l'envie de concevoir ou de faire faire un site internet. Vous avez trouvé sur le web un site présentant à peu près le résultat final que vous souhaiteriez obtenir. Une seule question demeure. Avec quels outils a été conçu ce site? Que l'on parle de langage de programmation, de CMS ou de framework, voici quelques moyens de le savoir. Avec les millions de sites web existants et l'ensemble des technologies pouvant être utilisées pour leur conception, il est parfois assez difficile de faire un choix alliant de manière cohérente efficacité, design et sécurité. Fort heureusement, ce genre de site existe, mais nous n'avons pas toujours les moyens d'identifier les outils avec lesquels ils ont été créés lorsqu'on les visite. Cela est pourtant loin d'être impossible. Pour l'exemple, je vais choisir ce site web très connu et me rendre sur la page de l'éditeur de mon premier outil, qui est celui-ci. J'entre l'adresse et je clique sur le bouton juste en dessous. Un rapport est généré avec plusieurs dizaines d'éléments. Si je descends un peu, je vois dans cette section les technologies avec lesquelles ont été créés le site. En seconde position, vous pouvez utiliser la page de cet éditeur pour avoir ces informations. Cet outil existe aussi et surtout en extension pour votre navigateur, ce qui vous permet de savoir immédiatement, lorsque vous chargez une page, quel CMS ou framework a été utilisé. Enfin, et en troisième position, vous pouvez vous rendre sur cette page. Après avoir entré l'URL et validé, vous obtiendrez les mêmes résultats. Plutôt simple, non? Comme vous avez pu le voir, ce ne sont pas les outils qui manquent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous saviez comment faire et lesquels vous utilisez. Et bien sûr, si vous appréciez le contenu, abonnez-vous.